Bonjour à tous, c'est moi, Chamallowatt. Vous vous souvenez de moi? Ouais, c'est moi qui vous ai montré le générateur du cobblestone et puis le tutoriel sur les tables d'enchantement. Oui, voilà, je suis dans la série de Survival Crafting, Epic Crafting, qu'est-ce que c'est? Oui, bon, voilà. Quoi, vous vous souvenez pas de moi? Vous êtes sérieux? Ah, bon, bah, je vais devoir me représenter alors. Quoi, vous voulez pas que je me représente? Bon bah c'est pas grave hein. Bon bah de toute façon en fait ça m'arrange. Donc voilà, alors aujourd'hui je voudrais vous montrer comment faire. Je voudrais vous montrer un petit mécanisme rapide bien rigolo qui fait en fait apparaître un escalier secret dans un mur. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc vous voyez il y a une plaque pression ici. Là on est dans un couloir sombre. Là il y a au bout il y a un mur, on se dit waouh ouais, qu'est-ce qui se passe. Après quand on marche ici, eh ben il y a des pierres qui apparaissent et puis ben, on peut monter tout en haut. Et voilà, c'est super intéressant et tout. Alors le truc en fait, on va découvrir le mécanisme et tout. Alors en fait c'est tout simple, c'est tellement con que ça vaut peut-être même pas la peine de faire un tuto, mais je vais quand même le faire pour ceux qui connaissent pas trop la redstone et tout. Mais sinon pour ceux qui connaissent bah vous pouvez déjà le faire hein. Alors voilà, alors comme certains d'entre vous le savent peut-être, la pierre conductrice, d'accord. Alors en fait vous voyez la plaque pression, et bah elle active le piston, il pousse la pierre ici et donc le courant il passe dans les pistons là et donc ça les maintient activés, et quand ils sont activés et bah ça pousse les pierres au bout. Donc vous voyez, si j'enlève la pierre, il y a plus de le courant, il ne passe plus dans les pistons et ça revient à l'état normal. Alors voilà, tout c'est tellement simple. Alors oui, il faut pas oublier de mettre un piston normal, parce que sinon ça c'est en fait c'est pour que quand vous partez de la plaque, le truc il reste quoi. Parce que si vous voyez, si jamais je relie la plaque directement au circuit des pistons, regardez, alors si je fais ça par exemple, après quand je m'en vais, ça s'en va. Donc voilà, en fait c'est ça l'utilité du piston qui pousse la pierre et tout. Voilà. Quoi, vous trouvez que ça servait à rien? Oh, vous êtes pas gentil, vous savez. Non mais si, ça sert à grand chose. Ouais, mais bon. Et donc en haut vous avez votre terrasse et tout. Alors voilà, pour ce qui est des escaliers, vous devez avoir des pistons collants. Voilà. Vous les disposez en diagonale, comme ça. Vous pouvez en poser n'importe quel nom, pardon. Voilà, vous me fichez le pierre ici. Et puis là, vous dites ici, il y aura mon mur, voilà. Alors, comment on fait pour passer ce mur? Alors, c'est ça. Soit bah, après, faut choisir ce qui va activer votre machin, votre mécanisme et tout. Alors, moi, j'ai choisi la plaque de pression, mais ça peut être une torche redstone, par exemple. Ou bien un levier, d'ailleurs. Alors voilà, le truc en fait c'est qu'il faut faire venir le piston comme ça, et comme ça. Voilà, en fait voilà, vous avez de deux comme ça. Mais en fait vous allez me dire, ouais mais ça marche pas, c'est normal. Parce qu'en fait c'est parce que les fils ils sont reliés entre eux, donc pour qu'ils arrêtent d'être reliés, faut poser un bloc comme ça. Donc vous voyez la communication elle est coupée. Donc vous faites de même ici, et autant de pistons qu'il y en a. Voilà, alors on va réactiver le truc pour voir si ça marche. Donc voilà, là vous voyez ça marche très bien. Bon bah je vais pas m'attarder plus dessus hein. C'était un tuto très rapide. Voilà, je suis ravi de vous avoir aidé si ça vous a aidé. Bah si ça vous a pas aidé, bah tant pis pour vous, hein, désolé. Voilà, n'oubliez pas de rejoindre la chaîne Epic Crafting. J'oublie toujours le nom, désolé hein. Et puis bah si vous avez envie, abonnez-vous, et puis merci à ceux qui ont regardé toutes les vidéos jusqu'ici déjà. Je sais pas trop ce qu'on fera la prochaine fois, mais il y a beaucoup de chances que le prochain tuto se fera avec Wataru33. Wataru33 vous connaissez hein, c'est le créateur du forum et tout. Alors oui voilà, n'oubliez pas d'aller sur le forum également. Le forum je pense Wataru33 vous le donnera, d'accord. Bon voilà, je vous laisse à la prochaine. Salut.